Bonjour, c'est Chris et c'est bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui débuter le pack 4 de notre Ferrari de chez Adora Model. Donc aujourd'hui on s'occupe des 4 premiers numéros de ce pack, les 25, 26, 27 et 28. Comme d'habitude, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à son nouveau Facebook Adora Model France, le lien est dans la description, le lien du forum de Adora, donc le lien est également dans la description. Et si vous souhaitez monter cette Ferrari, je vous mets le lien de leur site dans la description pour vous y abonner. Alors, notre numéro 25, c'est l'alternateur. Avec le 1, la lunette arrière. En 2, le bloc cylindre. En 3, c'est l'alternateur partie A. Et en 4, l'alternateur partie B. On reprend déjà en premier notre plancher. Et on va venir mettre notre vitre arrière. Du coup, en l'enfonçant arrière vers l'avant. Donc j'ai deux pitots à bien enfoncer. Comme ceci. Ils nous disent de venir mettre la plaque Limited Edition juste ici. Je l'avais fait moi déjà. Juste avant. Toi, c'est écrit édition limitée. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ce numéro 25. Alors, notre numéro 26, c'est le démarreur. On a la base du moteur. En 2, c'est le démarreur. En 3, la pompe à huile. Et il faut prendre des vis type B. On prend déjà notre base du moteur avec l'alternateur du numéro 25. On va venir le mettre en place, alors juste par ici. Et on y met une vis type B à côté. On prend ensuite la partie B du numéro 25 qu'on vient mettre par-dessus. Et on emboîte. Comme ceci. On va venir ensuite, juste ici, sur le plancher. Donc notre siège, je l'avais déjà bien mis en place. La ceinture, normalement, elle tient. On retourne, on vient mettre une autre vis type B en dessous, le tenir. Et voilà pour notre numéro 26. Notre numéro 27 s'appelle le puissant moteur, avec la partie du bloc moteur et le filtre à huile. On prend notre partie du bloc moteur. Et on va prendre la pompe à huile du numéro 26. On va venir l'emboîter juste ici dans les deux pitots qui sont là. On retourne. On vient de ce côté-là. On va venir mettre le démarreur donc du numéro 26 également.
En bas ici, donc on voit que ça a une forme un peu plate d'à côté, qu'il faut mettre dans le bon sens et on vient enfoncer. Ici, on y met et voilà pour ce numéro 27. Notre numéro 28, c'est les potentiomètres. En 1, on a les potentiomètres. En 2, la rangée de cylindres droite et de vis type B. Alors, on va prendre la partie du bloc moteur avec la base. Et on va venir les fixer ensemble. On les emboîte déjà. Et on vient au-dessus mettre deux vis type B. On reprend le bloc cylindre de l'étape 25. On va venir mettre les deux potentiomètres dessus. Tu vas venir s'installer de ce côté ici. Voilà, en enfonçant bien le gros picot, il est de petits sur les côtés. Comme ceci. Donc on n'a plus qu'à venir assembler le bloc cylindre et la rangée de cylindres droits ensemble. Donc, comme ça ici. Et voilà pour ce numéro 28 et pour ces 4 numéros. Et voilà, ça y est pour ces 4 numéros. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Ferrari. Comme d'habitude, on pense à s'abonner, à liker, à partager, à me rejoindre sur Facebook, à Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!